domaine d'intervention classique, les services de surveillance gaz et incendie lors d'un arrêt technique dont la pétrochimie. Ici, les besoins en matière de personnel de sécurité qualifié sont particulièrement élevés. Mais aujourd'hui, les décideurs, dont les entreprises du secteur de la pétrochimie, se confrontent à une pression accrue en termes de temps et de moyens, alors que les instructions à suivre restent élevées. Z-Monitoring apporte une réponse à la fois simple et efficace à cela. En combinant la présence d'opérateurs qualifiés à une technologie de surveillance pouvant être mise en place rapidement, les solutions proposées sont optimisées en matière de coûts, permettant de répondre à des exigences de sécurité élevées et croissantes. Le montage de ces modules est rapide, ils occupent extrêmement peu de place et ils sont opérationnels en toute sécurité. Reliés par un système développé en interne, ces modules fonctionnent par radio et ainsi le contrôle d'accès à l'entrée et à l'intérieur du trou d'homme se fait sans dépendre de câbles et permet d'assurer la détection de gaz en continu, le suivi, le système d'alarme et la communication. De petite dimension et maniable, le lecteur de badge enregistre automatiquement les entrées et les sorties du trou d'homme. Ces informations peuvent être utilisées pour l'évaluation du nombre de personnel, des horaires et lieux de travail, ainsi qu'à des effets de contrôle. La caméra se met automatiquement en mode de vision diurne ou nocturne. Par ailleurs, elle dispose d'une technologie de communication intégrée. Ainsi, en cas de besoin, le travailleur dans le trou d'homme peut, par une simple pression sur un bouton push-to-talk, établir une liaison acoustique avec l'opérateur installé dans le poste de contrôle. Le ambient air filter fournit en continu des mesures en temps réel sur la qualité de l'atmosphère dans le trou d'homme. Les impuretés présentes dans l'atmosphère sont filtrées et analysées par une unité extérieure. Puis les résultats sont enregistrés sur une armoire électrique. Et c'est à partir de là que les données recueillies sont transmises au poste de contrôle. Grâce à une connexion sûre par onde radio et à la transmission des données au poste de contrôle, des antennes peuvent être montées sur des points stratégiques de l'installation. Par le biais d'un logiciel conçu en interne, les données reçues de toutes les composantes sont évaluées par le poste de contrôle mobile Z-Monitoring. Cette opération est réalisée exclusivement par des opérateurs formés à l'utilisation du système Z-Monitoring. Au moins un des opérateurs est responsable de la supervision des données reçues. Afin de préserver la capacité de concentration de l'opérateur, une rotation est assurée à des intervalles courts avec le collègue placé à l'extérieur du dispositif en tant que surveillant de sécurité. À travers une fréquence radio individuelle, tous les collaborateurs sont connectés en permanence. En cas de déclenchement du système d'alarme, les mesures pertinentes sont engagées et les données visuelles et les mesures sont retransmises aux pompiers du site responsable. Reposant sur l'équilibre entre des opérateurs qualifiés et l'utilisation des technologies les plus modernes, le système Z-Monitoring contribue au renforcement de la sécurité et simultanément à la baisse des coûts associés à un arrêt technique. Z-Monitoring.